Eh bien bonsoir à tous, ici Daramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, vidéo pour parler des équipages hostiles. Donc on parlera pas du videur ni du Franklin, mais on parlera des hostiles qu'on peut trouver dans des systèmes normaux, on va dire. Donc on va parler des vaisseaux traders, donc de type Horizon, hein, qu'on peut trouver dans les factions, des intercepteurs, des cuirassés et des explorateurs. C'est de ces hostiles là que je vais parler. Et on verra quels équipages on peut utiliser. Donc j'ai commencé par les équipages les plus faibles jusqu'aux équipages les plus efficaces. Donc si tu es assez haut niveau, je te conseille d'avancer. Mais attention, l'équipage que je vais directement proposer peut tenir à peu près jusqu'au niveau 30, etc. Donc quand même, n'avance peut-être pas trop. Regarde un peu quel équipage je propose dès le début. Donc, premier équipage, Kadehura, capitaine. Pourquoi Kadehura ? Grâce à sa compétence de capitaine, tout simplement, qui va nous permettre de réduire les dégâts d'un certain nombre de pourcents. Donc, max save, c'est 10%, mais on va directement booster ça avec KD McCoy, qui nous permet, avec sa capacité de, qu'on appelle, d'officier, de booster la capacité de Uhura de 12%. Donc là, on va dire, donc là, ça marche pas forcément, mais croyez-moi, ça marche. Et on va mettre aussi Kirk ici. Et on va confirmer. C'est parce que j'ai pas confirmé, il me semble. Et directement, on va passer voilà, à 20% de dégâts en moins qui sont pris. Donc en fait, si vous voulez, on n'est pas à 20%, on est à 32% de dégâts en moins. Parce que les 20% sont appliqués par rapport au boost qu'il a là, ici, de 5%. Mais comme McCoy va activer cette capacité pendant le combat, et ben on va passer de 20% à 32% de dégâts pris en moins. Donc tout simplement, c'est énorme. Sur 100 de dégâts, j'en prends 68. Et tout ça grâce à Kirk qui augmente. Tout ça grâce, en plus de tout ça, pardon, Kirk augmente de 20% les dégâts augmentés, enfin les dégâts qu'on inflige. Donc on réduit 32% et on augmente de 20% les dégâts. Donne. Ensuite, au début, on va vite débloquer Telan et Shen. Et plus tard, Moro. On sait, il y a Gonzalez aussi, mais l'utilisez pas, trop faible. Voilà, je préfère le dire d'emblée. Donc, quand est-ce qu'on utilise Telan? Quand est-ce qu'on utilise Shen? Telan, on l'utilise pour les intercepteurs. Shen, on l'utilise pour tout le reste. Donc, ce qui est vaisseau mineur de faction, explorateur et cuirassé. Donc, Telan, on la mettrait là, si on tape des intercepteurs. Shen, on la mettrait là, si on tape explorateur, cuirassé, vaisseau mineur de faction. Ça, c'est sincèrement, c'est des... Comment on pourrait dire, c'est un setup pour les hostiles qu'on peut utiliser jusqu'au niveau... Personnellement, moi j'utilisais ça jusqu'au niveau à peu près 30, 30, 31, jusqu'à ce que je débloque pas, enfin jusqu'au... Ouais, Pike. Avant Pike, j'ai trouvé un autre équipage que je vais montrer juste après. Mais ouais, jusqu'à Pike à peu près, tu peux l'utiliser. Donc niveau 30 et plus. Intéressant aussi, si vous pensez utiliser Telan pour taper des intercepteurs, pour faire vos missions quotidiennes, moi je vous conseille pas Telan, je vous conseille Shen. Et utilisez Shen en tapant de l'explorateur. Pourquoi? Parce que Shen est beaucoup plus efficace contre des explorateurs que... Telan est efficace contre des intercepteurs et ça pour le même niveau de style. Tu vas pouvoir taper plus d'explorateurs en utilisant Shen que tu vas pouvoir taper d'intercepteurs en utilisant Telan. C'est ça que je sous-entends. Donc Shen, meilleur que Telan. Ensuite, nouvel équipage pour les niveaux un peu plus supérieurs. Équipage qu'il ne faut pas utiliser si on n'a pas Moro. Donc déjà, Moro c'est quand même une sacrée officier, on va dire. Donc on débloque pas tout de suite. Hop, c'est cet équipage. Et bien sûr, Shen, on peut la remplacer par Telan si on veut taper de l'intercepteur. Donc, pourquoi Bones Capitaine? Parce que Bones Capitaine, sa capacité de capitaine nous permet de booster les capacités d'officier des officiers qui sont là, tout simplement. Cire de 20%, cire que là. Je passe de 50% à 70% sur quoi? Sur la
la pénétration d'armure, la pénétration de shield et la précision des hostiles. Elle va réduire tout ça de 70%. Et Telan, on réduit de 40% les dégâts kinétiques. Et bien sûr, Shen va baisser les dégâts pris par les armes énergétiques de 45% du coup. Ah, je fais vite les calculs dans ma tête. Hein. Ensuite, où est l'autre équipage? C'est Pike, capitaine. Il suffit juste de changer Bones. Et on peut utiliser bien sûr Shen, remplacer Shen par Telan, tout simplement comme ça. Hop. Si on doit taper de l'intercepteur. Pourquoi Pike? On peut voir qu'il y a un boost de 40% ici. J'arrive pas à cliquer dessus, voilà, ici, 40%. Et ça va faire quoi? Bon, ça va booster ça. En soi, c'est pas extrêmement intéressant. Ah si, c'est ça qui est intéressant, pardon. C'est que Pike permet de booster, comme McCoy, de 20% la capacité voilà, des officiers. Sauf que là, il va la booster de 60% grâce au lien qu'il a avec Moro. C'est-à-dire que au lieu des 20% d'avant, on passe à 60%. Donc c'est 3 fois mieux. Donc 60% sur ça, on passe à 110% de réduction. Ici 60%, on passe à 80% de réduction. Et puis si j'utilise Shen, il faut à chaque fois confirmer pour avoir les bonnes stats, on passe à 85% de réduction. On peut voir déjà un bon saut, hein. On a à chaque fois 40% en plus. Et ça, c'est le dernier équipage que je te conseille. Encore une fois, tu peux changer Shen, Telan, etc. Donc je vais expliquer pourquoi on n'utilise pas Gonzales. Parce que Gonzales se base sur les probabilités qu'on fasse un dégât critique. Et si on fait un dégât critique, ça augmente de 20% les dégâts critiques. Mais c'est des stats qui sont pas corrects dans le sens où... bon, enfin pas correct, pas vraiment, je vais pas trop me concentrer là-dessus. Je vous conseille pas d'utiliser ça parce que ça va aussi dépendre de ça. Voilà, tu augmentes tes chances de coup critique de 2%. Ça va aussi dépendre de ton vaisseau. Si tu utilises un intercepteur, il faut que ça soit bien augmenté. Un explorateur, ça soit bien augmenté. Un coup marine, donc un cuirassé, ça, il faut que ça soit bien augmenté pour augmenter encore les chances de coup critique. Et c'est tout simplement basé sur la chance. C'est-à-dire que si tu mets pas de coup critique, Gonzales ne sert à rien. Elle sert à rien. C'est un officier inutile. Il va t'apporter rien pendant le combat contre un hostile. Rien du tout. C'est pour ça que, personnellement, je n'utiliserai pas Gonzales. Je l'utilisais, bien sûr, quand j'étais plus petit niveau. Je me suis dit, voilà, tout simplement, pourquoi je me suis dit ça. Je me plaçais Shen là. Hop. Je mettais Gonzales, je mettais Telan. Je me suis dit, c'est génial. Équipage de style. Super. Mais c'est inutile. Pourquoi c'est un équipage inutile? Pourquoi? Justement, j'ai dit avant qu'il fallait avoir Moro, parce que Shen et Telan ne fonctionnent pas sur les mêmes vaisseaux. Telan va réduire les dégâts des intercepteurs. Alors pourquoi j'aurais Shen? Shen va me servir à rien contre des intercepteurs. Et inversement, pourquoi j'utiliserais Telan si je tape un explorateur? Telan va me servir à rien. Shen va être utile. Voilà. Donc, extrêmement important déjà de ne pas mettre Telan et Shen en même temps. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une question. J'y répondrai. Ou si même il y a peut-être un autre équipage auquel je n'ai pas pensé, qu'on pourrait mettre tout simplement en description. Voilà. C'était Darramanel sur Star Trek Fleet Command.